La grande musique prend ses quartiers dans l'émission Passionnément classique avec Philippe Soler. Bonjour à tous. Hommage à la pianiste Yura Güler, deuxième émission. Chopin, Mazurka en Ré majeur opus 33 numéro 2, Yura Güler en 1956, son tout premier disque officiel à l'âge de 61 ans. Permettez-moi de rajouter, il était temps. Lors de notre dernière émission, nous en étions restés à la période de Jacques Schifrin-André Gide. Schifrin, le mari de Yura Güler, éditeur et créateur des éditions La Pléiade, un univers littéraire dans lequel notre pianiste se trouvera particulièrement à l'aise. Elle fera partie des hôtes réguliers de l'abbaye de Pontigny, abbaye où auront lieu chaque année les décades, ces réunions intellectuelles, littéraires et philosophiques autour de l'écrivain et journaliste Paul Desjardins. On y croisera François Mauriac, Roger Martin Dugard, Saint-Exupéry, André Malraux, André Gide bien évidemment, ainsi que l'écrivain Ramon Fernandez. Ce qu'il faut retenir de cette période, c'est l'amitié, le rapport très étroit qui va s'établir entre Yura Güler et André Gide. Pour elle, il va se remettre à son piano. Elle va lui donner des cours, elle va le faire travailler. Lui, en revanche, va la conseiller sur le plan stylistique, sur le plan esthétique. En fait, il va l'influencer fortement, et cela de manière durable. On sait qu'André Gide réprouvait les interprétations de Chopin par trop romantiques. Dans son journal, il insistera sur le fait que Chopin jouait de manière trop appuyée, sera de la sorte trahi, dénaturé, et cela de la manière la plus intime. Il nous dira que celui-ci se doit d'être joué avec une forme d'hésitation propre à l'improvisation et que l'assurance avec laquelle certains pianistes l'interpréteront en mettant leur ego en avant ne pourra qu'aller à l'encontre de la pensée chopinienne. Dans son journal, il nous conseillera sur la manière de l'aborder. Je cite André Gide. « Chopin semble se chercher. C'est une sorte d'hésitation que l'on se doit de retrouver lorsque l'on interprète son œuvre. Une incertitude, une promenade de découverte. La phrase musicale se forme peu à peu sous les doigts de l'interprète et il faut faire en sorte de ne jamais retrouver les choses dites deux fois de la même manière. » Fin du texte d'André Gide. Yura Güler va adhérer pleinement à cette conception. Elle va s'éloigner de l'esthétique romantique qui prévalait durant cette période de l'entre-deux-guerres pour nous donner un Chopin sobre, classique, d'une grande pureté, débarrassé de toute emphase.
Chopin, par Uraguler, c'est tout simplement miraculeux, et elle va rejoindre de la sorte, sans équivoque, la cour des grands, Clara Skill, Solomon, Lipati, Perlmutter. Uraguler, interprétation ô combien poignante de ce quatrième nocturne de Chopin. Passionnément classique, présenté par Philippe Soler. Uraguler restera fragile, instable durant toute sa vie. En 1927, son couple vacille. Elle a une liaison avec l'écrivain Ramon Fernandez. Celui-ci est marié, jeune père de famille, un ménage à trois, une relation ambiguë chaotique. Et puis Uraguler va goûter de plus en plus au paradis artificiel, aidé en cela par son ami Jean Cocteau.
elle est en train de partir à la dérive. En 1934, à l'occasion d'une tournée d'une dizaine de jours à Shanghai, elle disparaîtra. On perdra totalement sa trace. Pas le moindre signe de vie durant 8 années. Que s'est-il passé durant cette période? Nul ne le sait et le mystère reste encore aujourd'hui entier. On va la retrouver en 1941 à Paris. C'est la guerre. Elle est juive, elle est sous la menace des rafles. Elle va devoir sa liberté à une de ses amies, la chanteuse Édith Piaf. Grâce à l'intervention de celle-ci, grâce à son aide financière, Yura Güler va passer en zone libre direction Marseille, château de Montredon, chez la comtesse Pastré, la bonne mère des artistes. La comtesse, une musicienne, une riche héritière un peu au perché, excentrique, on ne peut plus généreuse, adorant les arts et qui brûlera sans compter son argent afin d'aider les artistes dans le besoin. Durant les moments les plus sombres de l'occupation, elle n'hésitera pas à prendre tous les risques afin d'héberger chez elle nombre d'artistes. Elle offrira le gîte, le couvert à des écrivains, à des peintres et surtout, surtout à des musiciens de passage. Yura Güler retrouvera Darius Milhaud, Georges Auric, et puis c'est elle qui présentera Clara Askill à la comtesse en insistant pour que celle-ci l'héberge au château. Seront également réunis autour de la table Joséphine Becker, Lily Laskin, Monique Haas, ainsi qu'un tout jeune gamin d'à peine 20 ans, Samson François. Piaf a un nouvel amant, le compositeur Norbert Glanzberg. La comtesse le cache. Du coup, à chaque fois qu'elle le peut, Édith Piaf débarque à Montredon à grand renfort de tambour. Elle passera pas inaperçue, la môme, accompagnée de sa troupe. Installée dans le salon du château, elle répétera son tour de chant devant notre Yura Güler tapis dans un coin, écoutant son ami totalement subjugué par cette voix. Yura Güler et Édith Piaf auront pas mal de points en commun. Une enfance ballottée, un mal-être profond, le besoin viscéral de crier les choses à travers leur art, et puis elles seront toutes les deux d'éternelles amoureuses qui se prendront non seulement au jeu, mais qui auront surtout le besoin, la nécessité, l'envie d'y croire. Que chantait Édith Piaf dans ces années-là? Elle nous chantait « Il n'y a pas de printemps ». C'était une histoire d'amour. Et puis, cette merveilleuse chanson de Michel Aimer, « De l'autre côté de la rue ». Des murs qui se lézardent, un escalier étroit, une vieille mansarde, et me voilà chez moi. Un lit qui se gondole, une table de guingois, une lampe à pétrole, et me voilà chez moi. Mais le soir quand le cafard me pénètre et que mon cœur est pas trop malheureux, j'écarte les rideaux de ma fenêtre et j'écarquille les yeux. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, une belle fille, qui a tout ce qu'il lui faut et même le superflu. De l'autre côté de la rue, elle a de l'argent, des bijoux, des voitures, des bas en soie, des De l'autre côté de la rue, il y a une fille, une belle fille. Si j'en avais le cas, je n'en demanderais pas plus. De l'autre côté de la rue, je le connaissais à peine, on s'était vu 3 fois. Mais à la fin de la semaine, il est venu chez moi. Dans ma chambre 7e, au bout du corridor, il murmura « Je t'aime ». Moi j'ai dit « Je t'adore ». Il m'a comblé de baisers, de caresses. Je ne désire plus rien entre ses bras. Et quand je vois ses yeux pleins de tendresse, alors je me dis tout bas, de l'autre côté de la
y a une fille, une pauvre fille, qui ne connaît rien de l'amour, ni de ses joies éperdues. De l'autre côté de la rue, elle peut garder son monsieur qu'elle déteste, ses beaux bijoux, tout son luxe, elle reste. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, une pauvre fille, qui regarde toujours d'un air triste et perdu. Édith Piaf, de l'autre côté de la rue, 1943. Le dévouement de la comtesse Pastré à l'égard de ses invités n'aura pas de limite. En 1942, Clara Askill se plaint de violents maux de tête. Elle a le sentiment de perdre la vue. La comtesse se met donc en quête d'un spécialiste. La chance se veut qu'elle rencontre un médecin de grand talent, Jean Hamburger, médecin qui fait partie du réseau de la résistance à Marseille. Il va diagnostiquer chez Clara Askill une tumeur de l'hypophyse, tumeur qui coince le nerf optique. Une opération d'urgence est nécessaire et la comtesse Pastré acceptera immédiatement et sans réserve d'en assumer la totalité des frais. Clara Askill devra rester consciente durant toute l'intervention. Il sera important de vérifier que sur le plan pianistique, tout fonctionne. On fera donc une anesthésie locale et elle jouera durant toute l'opération sur une table par petites séquences, le concerto jeune homme de Mozart. L'opération sera une parfaite réussite. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour dire que le professeur Jean Hamburger deviendra une figure de tout premier plan dans le milieu médical français de l'après-guerre. Il se trouve également qu'il aura un fils qui fera une immense carrière dans le domaine de la variété, Michel Berger. Fin de la parenthèse. La convalescence de Clara Askill va se dérouler dans des conditions parfaites et la comtesse va pouvoir entamer les démarches afin d'obtenir pour elle un visa pour la Suisse. Et c'est début novembre 1942 que notre Clara quittera le château de Montredon pour Genève. Elle sera sauvée in extremis car le 12 novembre, les Allemands occuperont officiellement Marseille. À la libération, la comtesse se met en tête de monter un festival dans la région de Marseille, un festival Mozart. Elle ne veut rien d'autre que le pendant de Salzbourg et en juillet 1948, ce seront les débuts du festival d'Aix-en-Provence. Récital et concerts se succéderont et Clara Askill sera une des toutes premières invitées. Au programme, le concerto en ré mineur de Mozart sous la direction d'Ernest Bourg. La bande de ce concert a été retrouvée en 2009. Oh, la qualité sonore n'est pas très très bonne. Écoutons-en toutefois un court extrait à titre de document, Mozart, Clara Askill. Thank you.
Mozart, concerto en ré mineur, Clara Skill au piano, en concert lors du tout premier festival d'Aix-en-Provence, le 25 juillet 1948. C'est à partir de cette date que la carrière de Clara Skill va prendre son envol, et quel envol! Par contre, pour Yura Güler, ce sera beaucoup plus long, beaucoup plus difficile. Au sortir de la guerre, notre pianiste sera physiquement très affaibli, et il faudra attendre 1956 pour qu'elle puisse faire sa rentrée à Londres, avec un récital qui créera la surprise. On va enfin découvrir cette pianiste âgée de 61 ans. Écoutons-la nous parler de son retour à la vie musicale, de son retour à la scène, au micro de Franz Walter, dans les studios de Radio Genève. Nous sommes en 1958. Madame Yura Güler, votre retour à Genève a suscité autant de sympathie que d'émotion parmi tous ceux qui vous ont connu, car vous avez eu une partie de votre activité qui s'est déployée à Genève, n'est-ce pas? Est-ce que je peux vous demander à cette occasion de nous rappeler dans quelles circonstances votre carrière a été liée à Genève? Eh bien, je vais d'abord donner beaucoup de concerts avec Sighetti à Genève. Nous avons donné toutes les sonates de Beethoven ensemble. Ensuite, j'ai pris la classe d'Iturbi pendant une année. Vous avez repris cette classe après le départ d'Iturbi, je crois. Oui, c'est ça. Après le départ d'Iturbi, j'ai pris sa classe et je n'ai gardé qu'une année parce que j'avais beaucoup trop à faire pour pouvoir continuer à professer et en même temps à donner des concerts et tout le temps. Et vous avez quitté Genève où vous étiez établi alors pendant l'époque de votre enseignement. J'habitais derrière la cathédrale où c'était ravissant. Mais si vous voulez bien, alors revenons à l'époque d'autrefois. Quand vous avez quitté Genève, vous êtes parti, vous avez fait une carrière et puis pendant quelque temps, pendant assez longtemps même, nous n'avons plus entendu parler de vous. Êtes-vous parti? Oui, parce que je suis tombée malade très gravement. J'ai dû interrompre les concerts. Je continue à travailler, mais je n'ai pas pu donner de concerts. Vous n'avez plus joué en public pendant des années. Pendant oui. Combien d'années, est-ce que vous savez? Oui, très longtemps. Très longtemps. Trop longtemps, sûrement. Oui. Et puis, il y a eu la guerre. Oui. Alors, naturellement, ça a encore remis les débuts de... Et maintenant, j'ai recommencé il y a deux ans. Quand avez-vous recommencé? Il y a deux ans. Oui, il y a deux ans. Et qu'est-ce qui pas vous a fait... Pas tout à fait deux ans. Retrouver le chemin de Genève. Eh bien, je suis venue en... l'année dernière pour faire un enregistrement à la radio. Oui. Et M. Ansermé est venu l'entendre. Et voilà comment... Oui, je l'ai entendu d'ailleurs cet enregistrement. Je me rappelle, il avait fait sensation d'ailleurs, parce qu'on ne vous avait pas entendu depuis si longtemps. Et vous êtes revenu. Vous aviez enregistré une pièce de Bach, je crois. N'est-ce pas, oui, Bach, Scarlatti, etc. Enfin, quelques autres choses. En effet. Et vous avez joué lundi soir à Lausanne. J'ai joué lundi soir à Lausanne. J'ai été... très, très enchantée. Il y a une salle merveilleuse. Et l'accueil a été enthousiaste, d'après ce que j'ai entendu dire. Enfin, je trouve qu'on a été très gentils. Et il y avait je trouve que cette salle est magnifique. Oui, c'est une nouvelle salle qui a été construite tout récemment. Oui, c'est très bien. Bon, eh bien, nous nous réjouissons de vous entendre ce soir. Et surtout, nous espérons que vous reviendrez fréquemment, maintenant que vous connaissez le chemin. Mais ça, c'est très gentil. Je l'espère aussi. Yura Güler au micro de Radio Genève. Quelques semaines après cet entretien radiophonique, Yura Güler sera sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées avec un quatrième concerto de Beethoven sous la direction d'Ingelbrecht. La bande de ce concert a été retrouvée en 2011. Écoutons le final de ce quatrième concerto de Beethoven. Grandiose, nous sommes le 15 mai 1958. Thank you.
Thank you.
Nous écoutions le final du 4e concerto pour piano de Beethoven, au piano Yura Güler. Théâtre des Champs-Élysées, le 15 mai 1958, l'Orchestre National de France était placé sous la direction de Engelbrecht. RCF, Philippe Soler. Les concerts vont se succéder pour Yura Güler avec plus ou moins de bonheur. Oh, il n'y aura vraiment pas de ratage. Mais disons que le public ne sera pas toujours au rendez-vous. Celui-ci sera davantage tourné vers Clara Skill, dont la carrière a enfin décollé. Les rôles vont donc s'inverser. Durant l'entre-deux-guerres, Yura Güler était la coqueluche du tout Paris. Dans les années 1950, c'est Clara Skill que l'on va vénérer, que l'on va aduler. Juste retour des choses enfin. Le temps passe, et c'est à partir de ces années que la faucheuse va commencer son sale travail. En 1950, Jacques Chiffrine, ex-mari de Yura Güler, décède. Le 19 février 1951, ce sera au tour d'André Gide. Et puis en 1955, c'est Albert Einstein qui disparaîtra. Il était non seulement l'ami de Yura Güler, mais également son complice musical, celui avec lequel elle partageait dans l'intimité les sonates pour violon et piano de Mozart, les sonates de Beethoven. Et puis, le 6 décembre 1960, une perte immense pour le monde de la musique. Ce jour-là, Clara Skill arrive à Bruxelles pour donner un récital de sonate avec Arthur Grumio. Dans les escaliers de la gare, elle glisse et tombe la tête en avant. Le choc est violent. Elle succombera à ses blessures quelques heures plus tard. Dans son appartement de Genève, Yura Güler se terre. La douleur est vive. Le 30 janvier, c'est au tour de Francis Poulenc de partir, brusquement, sans prévenir. Et puis, au mois d'octobre de cette même année, Piaf et Cocteau tireront leur révérence à un jour d'intervalle. Yura Güler avait gardé le lien avec Edith Piaf. De temps en temps, elle allait lui rendre visite dans son appartement parisien. La reconnaissance envers Edith était intacte. La tendresse aussi, immense. Profonde. Ils auront été ô combien nombreux ceux qui ont compté dans la vie de Yura Güler. Francis Poulenc, sonate pour au bois, un extrait, Jacques Février, Maurice Bourg. C'est vrai qu'ils auront été nombreux à compter dans la vie de Yura Güler. Ils auront été nombreux à succomber à son charme, à son magnétisme. Pour eux, pour leur mémoire, elle ira puiser en elle arrivera à retrouver la force d'avancer.
elle ne nous a pas encore tout dit. Toutefois, sur le plan matériel, sur le plan financier, elle est totalement démunie et elle vivra jusqu'à la fin de ses jours grâce à une pension versée par des musiciens qui lui sont attachés. Yehudi Menuhin, Radu Lupu, Martha Argerich. Elle ira même jusqu'à squatter durant quelques années l'appartement de Nelson Frère à Genève. Elle va s'entourer de jeunes pianistes, ils vont l'admirer, ils vont la soutenir, ils vont l'aider. Le courant ne pouvait que passer entre Martha Argerich et Yura Güler. Ce sont deux femmes absolument exceptionnelles. Et qui ne nous dit pas que notre Yura Güler se retrouvera quelque part dans cette jeune pianiste d'à peine 20 ans et qui vient de signer son tout premier disque officiel chez Deutsche Grammophon, un récital Chopin, Brahms, Liszt, Ravel, avec une toccata de Prokofiev étourdissante. Écoutons la jeune Martha Argerich, nous sommes en 1961. Thank you.
Nous écoutions la toccata de Prokofiev par la toute jeune Martha Argerich. Ah, elle va être tenace, notre Martha. Elle va faire des pieds et des mains auprès de Michel Garcin, directeur artistique des Râteaux, afin que Yura Güler puisse enregistrer chez lui quelques disques. Pas évident à convaincre tout de même, qui va vouloir acheter les disques de Yura Güler ? En 1973, seront enregistrées deux sonates de Chopin ainsi que deux sonates de Beethoven. Les Chopin ne seront jamais montés, dommage. Par contre, pour les Beethoven, ce sera une découverte pour beaucoup d'entre nous, voire même un choc. Le Beethoven de Yura Güler ne ressemble à aucun autre. Avec l'âge, les tympis se sont ralentis. Chaque note va porter son poids d'expression, son poids de souffrance. C'est un piano qui parle, un piano qui raconte, un piano qui ose. Ce Beethoven est marginal. On est en présence d'un des disques les plus atypiques de l'histoire. Je sais que je ne suis pas le seul à chérir cet enregistrement. Et ce disque, pour les amoureux du piano, va devenir, au bout du compte, essentiel. Quittons-nous avec le premier mouvement de la sonate opus 111 de Beethoven. Nous sommes en 1973, Yura Güler avait 78 ans. On ne peut sortir totalement indemne de ce Beethoven. Thank you.
Beethoven, sonate opus 111, irrégulière, totalement habitée, magistrale. Cela a été un véritable bonheur pour moi d'avoir pu partager avec vous mon attachement à cet immense pianiste et à l'univers qui l'entoure. Quittons-nous avec une mazurka de Chopin au piano, Madame irrégulière, je vous dis à très bientôt.